Et on va parler plongeon maintenant, après cette performance musicale de ce camp musical. Bien, pourquoi pas, pour ce dernier segment de sport, on a la chance d'avoir de belles visites, Emily Emmons et Jennifer Abel. Je ressens beaucoup plus le stress, la pression un peu aussi, mais j'ai eu un super de bon matin. Je me suis levée tôt, mais c'est pas grave. Bien, présentement, on est en route pour aller au Stade olympique. Mon demeure, c'est là que je passe toutes mes journées, en fait. The goal is really to create an experience where the judges are able to watch two divers dive, but it make it appear as though there's only really one movement for those two divers. So it looks like there's only one diver diving. So it's like there's a connection between the two of them, and that happens with a lot of practice. So there, actually the takeoff was very good, but Jennifer was a little bit back in her hurdle, and that affected the rest of the dive. Yes. T'es en train de bouger la tête tout de suite dans ton départ. Regarde, ça va plus long le bras en haut. Attends, après les swings avec les bras. Ça fait 3 ans qu'on fait cet horaire-là. On a fait quelques petits changements au niveau des heures. Donc, on a rajouté des heures d'entraînement. Mais sinon, au niveau de la musculation et du ballet, ça fait plus que 3 ans que je serais prête à dire qu'on fait ça. Here we go, relevé, up. So, arms in front of the rib cage. Coup de pied. Hold. And come down. Maintenant, c'est plus un stress qui est mauvais. C'est rendu un stress qui est bon puis qui m'encourage à justement vouloir une médaille ou aller plus loin que qu'est-ce que je suis capable d'aller. Représenter le Canada pour moi aux Jeux de Londres 2012 représente beaucoup de choses pour moi. C'est sûr que gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques, c'est mon plus grand rêve. Comme tout athlète qui a le potentiel pour, c'est leur rêve, leur plus grand rêve, leur rêve ultime. Mais en fait, pour moi, juste le fait de me rendre aux Jeux olympiques, c'est quelque chose de grand pour moi. Puis je vais être très, très fière de moi aussi d'avoir accompli cet exploit-là.